grand reportage sur le mondial du bâtiment à suivre sur Bâti Radio en partenariat avec 3CABTP. Maryse de Gouges, bonjour. Vous êtes analyste chargée de veille au 3CABTP. Pourquoi est-ce que le 3CABTP a mis en place un service de veille ? Le 3CABTP a mis en place Tendance BTP il y a 2 ans, donc notre cellule de veille, pour éclairer les organismes de formation sur tous les différents domaines qui peuvent les impacter, que ce soit apporter des informations sur l'innovation pédagogique, la réglementation, le marketing, les ressources humaines. Et donc ce sont des articles qui sont écrits par les experts métiers du 3CABTP. Donc on a vraiment cette envie d'apporter de l'analyse et de la profondeur dans ce qu'on envoie aux organismes de formation. Comment peut-on avoir accès à la veille menée par le 3CABTP ? Elle est disponible sur le site internet du 3CABTP. Donc on a une rubrique qui s'appelle Tendance BTP sur laquelle on vient déposer nos articles. Et il est aussi possible donc, sur le site du 3CA d'accéder à un formulaire d'inscription qui va vous permettre de recevoir directement la newsletter dans vos boîtes mail tous les mois. Quelles sont les prochaines étapes pour ce service de veille ? Alors aujourd'hui, on a plusieurs objectifs. Le premier, ça va être venir enrichir l'offre de l'IVAP du 3CABTP, donc proposer des nouvelles newsletters, notamment thématiques. On a aussi un gros projet là qu'on veut mener sur la fin d'année, qui va être de lancer une communauté de veilleurs. Donc cette communauté, elle a pour objectif d'être au plus proche des réalités terrain. Donc on a envie de se rapprocher des organismes de formation pour qu'eux aussi puissent venir contribuer à la veille, partager leurs sujets d'intérêt et puis aussi échanger entre eux sur des bonnes pratiques de veille ou bien des conseils qu'ils peuvent avoir sur ce qu'ils ont mis en place au sein de leurs organismes de formation.